Brest. Je suis au lycée, donc là je suis en terminale à Cluse. Du coup je joue de l'euphonium, peut-être qu'on connaît plus sous le nom de tuba. Et je suis rentré à l'ABF, je crois que je vais être CM2 ou 6e. Moi je m'appelle Clara, je suis percussionniste et je suis toute nouvelle, je viens d'entrer à la batterie. Bon, moi je m'appelle Justine, je joue du cor et je suis rentrée à Batterie Fanfare, je devais être en CE2. Moi je pense que la jeunesse peut apporter justement ce côté nouveau, comme je disais dans les morceaux, où par les jeunes on va découvrir qu'on fait de la musique de jeunes, hein, on joue des morceaux qui sont sortis il y a un ou deux ans à la radio, qui ont été retravaillés, et c'est les jeunes qui nous donnent envie de jouer ces morceaux et c'est eux qui nous donnent les idées. Donc moi je trouve que les jeunes apportent déjà ça, un renouvellement du répertoire, par ailleurs auprès du public, et une image différente. Quelque chose qui est beaucoup plus festif qu'avant, quelque chose qui est beaucoup plus jeune en fait, tout simplement. Et puis avoir des musiciens jeunes, c'est quand même super intéressant parce que ça met une ambiance différente dans les répétitions, par exemple, où on rigole un peu plus, où on va discuter, nous les anciens, entre guillemets, on va apprendre à ces jeunes à évoluer avec nous, et on peut aussi leur apprendre un petit peu le côté rigueur qui parfois sert bien dans la vie quand même, en dehors de la batterie. Je trouve ça dommage, c'est qu'on voit de moins en moins de jeunes avec nous. C'est vrai que nous, on est venus parce qu'il y avait déjà de la famille qui avait commencé dedans et donc ça me paraissait logique de continuer et perpétuer justement cette histoire. Et je trouve ça dommage que maintenant ça se perde et que les gens partent à jouer chacun de leur côté des petits groupes de musique au lieu de faire partie comme nous dans une batterie fanfare. Qui fait qu'on réunit du monde autour de nous. Les jeunes, c'est quand même important qu'ils puissent montrer que la batterie fanfare, c'est pas un truc qui est surpassé, surdaté et qui n'a aucun avenir. Donc c'est bien qu'ils puissent s'y mettre. Alors moi, j'ai Brice, mon fils, qui fait partie de la batterie fanfare, et il a pris un instrument qui soit suffisamment riche pour pouvoir jouer de tous les morceaux, parce que 20 clairons, c'est quand même assez limité. Mais ma fille, elle fait partie de l'harmonie parce qu'elle a voulu prendre un autre instrument. Et voilà, la batterie fanfare, il y a quand même des trucs très très sympas qu'on peut jouer et qui c'est intéressant aussi pour les jeunes.